qu'est-ce qu'il y en a pour vous pour Québec 2014? Je ne comprends pas, excuse-moi. Est-ce que vous suivez ça dans les journaux, la radio, les élections qui s'en viennent? Excuse-moi, my English, my French is not good enough. Do you follow the electoral campaign? I don't really have anything to say, though. No? No. Are you going to watch the debate next week? I don't think so. Thank you. Bonjour, monsieur. How are you? I want to ask you, what do you think of the electoral campaign up to now? Well, I don't have any opinion, but I'm not voting for Marois for sure. No? No, are for you, sure. Do you follow that in the media? Yes, I do, but I'm not voting for her. And are you going to watch the debate next Thursday? For sure, yes. And do you use the social media? A lot. A lot? Yeah, I do use the social media a lot. Do you think it's a referendum campaign? Well, I think it's a fight between the English and the people who want their sovereignty as Quebecois. However, we are all Canadians, so we should talk about issues about economy, about job loss, but not about separation from the rest of Canada, which I think for me is irrelevant. Let's talk about jobs. Let's talk about creating more jobs for Canadians and Quebecois, but not like separated from the rest of Canada. Moi je suis pas trop les médias en fait traditionnels, je suis plus internet. Mais après je trouve qu'il y a pas mal d'affiches dans les rues sur ça. Et d'ailleurs c'est assez bizarre, je trouve que le Parti Vert met des affiches dans les rues. Parce que justement il devrait plutôt se préoccuper de consommer moins de papier. Donc c'est assez bizarre qu'il aille vers ce média-là de communication. Surtout qu'en plus le Parti Vert il serait pas mal pour s'orienter vers les jeunes. C'est plus les jeunes qui ont cette volonté-là, donc il faut mieux plutôt d'aller vers les médias moins traditionnels, je pense. Est-ce que vous suivez les médias sociaux? Oui, pas mal, ouais. Oui. Et est-ce que vous allez suivre le débat des chefs jeudi le 20 mars? Ah, il y a un débat jeudi 20 mars? Jeudi 20 mars, à la télévision, je pense c'est aux 4 canaux, là, Radio Québec. Pourquoi pas. Moi, je suis en tout pour le Québec libre, parce que je pense qu'il y a une invasion anglophone ici. Hein. C'est vrai, ouais, c'est assez chou, parce que j'ai vécu à Toronto, moi, 6 mois. À Toronto, tout le monde parle anglais. Ici, il y a beaucoup de gens qui parlent anglais alors qu'on est sur une terre francophone. Et je trouve que c'est pas normal. Il faudrait un minimum respecter la francophonie, je trouve. Ça fait combien de temps que vous êtes ici maintenant? Ça fait 6 mois. 6 mois que je suis ici. J'ai fait 6 mois à Toronto avant. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Plaisir. Merci à vous aussi. Est-ce que vous êtes satisfait de la couverture médiatique? Oh oui, il n'y a pas de problème. Je pense pas qu'il y ait des problèmes à ce niveau-là. Puis moi, je suis pour le Parti québécois. Fait que, de toute façon, je suis pour Pauline Marois. Fait. Est-ce que vous êtes satisfait des médias sociaux? Est-ce que vous suivez ça sur les médias sociaux aussi? Oui, partout, je pense, je regarde ça. Mais moi, je suis pro-québécois, fait que je suis vraiment pour le Parti québécois. Well, sir, I really don't care about politics. I think they're all a bunch of liars and thieves. And that's it. Have a nice day. Thank you. Bonjour, monsieur. Est-ce que je peux vous demander ce que vous pensez de la campagne électorale jusqu'à maintenant? I don't speak French. What do you think of the electoral campaign up to now? Well, I think it's probably the most vital experience for all of us in many, many decades, and it's very interesting. Do you think it's a referendum campaign? I don't think so. Simply because all the polls are showing that the majority of Quebecers are really not interested in referendum. They're interested in more economic situations for their families, more immediate. And I think, there's a lot of complexities with referendum that aren't even discussed. The legality of it, you know, the constitutionality of it, the universal acceptance of it by other countries, this is never talked about. Just on a periphery, you know, back in the last referendum when they were talking about whether Clinton would accept Quebec and everything, and it all depended on whether the prime minister said, yeah, accept it or reject it. So there's a lot of complexities. It seems like politicians deal in smaller issues to gain some kind of
victories in the short term because they're very interested only in their re-elections and their own paychecks. Are you going to watch the debate next Thursday? Oh, absolutely, yes. I'm very curious to see what's going to happen. But I think that I trust Quebecers a great deal. They're a great people, a great nation, and I think they will recognize who are the true sovereigntists and who are really not the true sovereigntists, the ones who are more interested in their own self-gain and the self-gain of their own particular immediate friends and colleagues. Thank you very much. Have a good day. Jusqu'à maintenant, je pense que le Parti libéral, ils ont beaucoup de choses à dire, mais pour une mémoire, elle tient son vote. Est-ce que vous suivez ça dans les médias sociaux, Facebook, Twitter? Non, moi, c'est la nouvelle. Les nouvelles? Ouais. Quel canot ou quel journaux vous suivez? Ben, moi, le Journal de Montréal, parce que c'est frais, j'ai pas le temps, je trouve frais. Je comprends, merci beaucoup. Ça va une autre fois, je trouve frais. C'est imprévisible. très imprévisible. Est-ce que vous suivez ça dans les médias de jour en jour? Oui. Puis qu'est-ce que vous pensez de la couverture médiatique? J'ai aucun problème avec la couverture. Je pense que c'est une élection compliquée et il y a beaucoup de sujets qui changent. Pourquoi c'est compliqué? Par exemple, le candidature de Pelado changeait beaucoup l'élection. Au début, c'était plus sur l'idée de Chartres. Mais sur l'idée de Chartres, il y a toujours la question de référendum. Et l'impact long terme de Pelado sur l'élection sera intéressant de voir parce que présentement c'est pas clair. Bonjour madame, est-ce que je peux vous demander ce que vous pensez de la campagne électorale jusqu'à maintenant? Non, moi la politique là. Merci. Est-ce que vous avez suivi le débat? Non. Ah non? Non. Est-ce que vous suivez ça dans les journaux, la radio? Juste les gros titres. Les gros titres? Ça me suffit. Ça vous suffit? Oui. Est-ce que c'est trop long une campagne de 30 jours? Oui, il y en a trop aussi. Il y en a trop. C'est-à-dire, on a eu des élections, quoi, ça fait à peine un an et demi, là. Moi, je trouve qu'il y a énormément de gaspillage de l'argent des contribuables. Pensez-vous que c'est référendaire, la campagne? Oui, beaucoup trop. Beaucoup trop? Oui. Il y a d'autres choses plus importantes dans la vie que d'essayer de détruire un pays. Plus capable. Je comprends pas pourquoi qu'il n'y avait pas une loi qu'il n'était pas supposé d'avoir d'élections. Hein? Des élections à date fixe? Oui! Puis là, c'est quoi l'affaire? Je suis pas inscrite sur la liste électorale puis je compte pas le faire. Je sais que c'est un peu irresponsable, mais bon. Merci beaucoup.